Collégiant qui s'affiche de ses lettres en Pinachia comme Don Pepe Diana, s'il s'enfuirait le combat de la société civile, une lutte main dans la main avec l'Église, insiste Fabio Guedioni, de l'antenne napolitaine de l'association Pinachia Libera. L'Église est fondamentale en réalité, parce que c'est l'institution qui prend soin des gens et les rassemble. Il y a une communauté qui se forme autour de chaque paroisse en Italie. Dans ce territoire extrêmement réfractaire, le prêtre tué ici était doué pour impliquer les jeunes avec des activités qui ne sont pas propres à l'Église en fait. Il les emmenait au stade, voire Maradona. C'est ça qu'il nous a enseigné. Donc aujourd'hui, on s'occupe aussi des jeunes de compagnie, en essayant comme lui de transmettre les valeurs de la légalité en partant de ce qui les passionne. Camorra, Andrangheta, Cosa Nostra, Mafia Fergiana, tutto. En Italie, c'est d'ailleurs un religieux qui incarne cette lutte contre la criminalité organisée.